Ce mode n'est pas simplement flippant, il est ultra dur. Vous avez vu ça? J'y reste plus qu'un. Tu te calmes tout de suite. Oh là 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 les... Salut à tous les amis, c'est Agent GB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mod et je commence bien évidemment pour m'excuser pour la vidéo de la veille, le seigneur du badass qui a malheureusement bugué, il y a eu un décalage du son et de la voix, c'était n'importe quoi et du coup voilà j'ai dû la supprimer et pour me faire pardonner je vous prépare un petit mod aujourd'hui hyper flippant, vous allez bien me voir flipper ma race, voilà c'est un peu pour me faire pardonner mais puisque voilà pour me faire pardonner je me fais flipper ma race et puis je me filme en facecam en plus donc c'est super. Donc voilà, le mode Five Nights at Freddy's 2. Un mode complètement oufissime qui est exactement le même que dans le jeu vidéo et qui est ultra flippant. Regardez-moi ça, c'est Freddy là qui ont qu'une envie, c'est de me sauter dessus. Regardez-moi ça, ils sont trop flippants. Aïe! Hey, oh, oh, tu te calmes tout de suite. Alors voilà, et en plus, celui qui a présenté le mode a eu la gentillesse de préparer une petite map challenge. Donc voilà, super sympa, on va pouvoir la faire au fur et à mesure. Alors on commence avec une Diamond Pickaxe, 3 steaks et le Foxy's Hook. Ouais, 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 tu te calmes tout de suite. Je précise aussi, tiens, que pour me faire pardonner du bug, le prochain épisode du Seigneur du Badass sera oufissime. On va aller dans les mines de la Moria pour se battre contre le Balrog. Et autant vous dire que, voilà, ça va faire mal. Bref. On en revient au principal, le Foxy's Hood qui sera donc une très très bonne arme contre eux. Voilà, c'est exactement comme dans le jeu. Là, ça spawn de ouf. Du coup, on va se les faire rapidement en sautant pour faire des coups critiques. Ah, oh putain, la vache. Vous entendez le son, là? On va se faire flipper avec ça, mais... Oh putain. Oh, 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 tu te calmes tout de suite. Oh... La vache, ça promet. Vous avez vu ça? Donc voilà, on a commencé au calme, j'ai envie de dire. On va passer au deuxième. Ah, petite récompense, comme il l'avait montré. Ah, Diamond Helmet, super. Iron Helmet, super. On commence à se protéger un petit peu. Oh, il y a un creeper là. Je crois que je t'ai pas... Oh putain! Non! Non! Oh putain! 8, 7... Ah ouais, en fait, c'est mieux quand même avec une Diamond Sword. Tu vas arrêter de crier comme ça, c'est moi qui te le dis. Je vais tout de suite péter le spawner. Oh le cri, non mais c'est quoi ce truc? Enfin je connais le jeu quand même. Oh, tu te calmes tout de suite. J'ai vu le jeu, enfin j'ai vu des gameplays, c'est vrai que c'est assez flippant mais quand même. Iron Boot, super, des bots. Alors tu vas te calmer tout de suite, mais regardez ça, ils ont envie de vous sauter dessus, de vous égorger. Toy Bunny, putain. Méchant, méchant. Ah mais le bruit, c'est absolument horrible. C'est ultra flippant le bruit. Le bruit quand il court, t'as l'impression que t'as un mec qui s'approche hyper sadiquement dans le sable. Dans derrière son dos comme ça, bam. Putain la vache, horrible. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Le Foxy's Hood, vous le lootez aussi sur des... que dis-je? Zut, bah j'ai oublié de regarder la recette, j'aurais dû le faire dans un coffre, il y aura une petite image qui va s'afficher voilà, sur l'écran pour montrer la recette. Oh, bonus guitare et Foxy's Hood, sharpness 5, et lui il avait pas sharpness, ouh, sharpness 5, t'as celui-là, on va se mettre bien. Oui, voilà, il y aura une petite image qui s'affichera. Bonus guitare, est-ce que je peux faire des trucs? Ça a pas de... Non, ça fait rien, d'accord, c'est juste des items. Oh, c'est des golden... non, Tochika, oh non, c'est les poulets. C'est les... Mais vous allez arrêter de crier, c'est les poulets, ils sont trop flippants. Putain, je vais mourir. En plus, ils sont super. Putain, mais c'est abusé. Oh mon dieu. Ce mode n'est pas simplement flippant, il est ultra dur. Vous avez vu ça? J'y reste plus qu'un. Tu te calmes tout de suite. Oh là 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 là, les chics. Oh putain. Oh putain. T'es sérieux là? Alors là, le mec avait présenté le mode, il n'y avait pas ça. Oh putain, mais tu me fais pas flipper comme ça, toi! Oh la vache, comment j'ai flippé! Oh les bâtards! Oh les bâtards! Oh la vache! Alors là, je m'attendais à tout sauf à ça. Oh putain, je suis pas habitué au jumpscare comme ça là. En plus, il est tard. Oh putain, bon, on se retrouve tout de suite au parcours. Oh la vache! Ok. Ok les amis, j'ai retrouvé l'endroit. Les chickens sont là-bas. Mais putain la vache, comment ils sont flippés. Oh, d'accord, en fait ils marchent normal et dès qu'ils s'approchent de toi, en fait ils pètent tes câbles quoi. Mais putain.
putain, mais c'est trop flippant ce mode. Oh, le jumpscare, mais je m'y attendais tellement pas, parce que le mec dans sa présentation de mode, je crois qu'il est pas mort, ou j'ai pas regardé jusqu'à la fin de toute façon. Mais, oh, 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 qu'est-ce que c'est trop flippant, putain. Il faut aller détruire les spawners là-bas. Mais il a pété un câble, le mec, quand il a fait les spawners. Il y a pas une protection, merde, j'ai déjà pris. Putain, en plus, le fou qu'il a à moitié pété déjà. Putain, tu te calmes. Putain, il saute super haut. Bah, c'est vrai que c'est... s'il saute haut, comme ça, il peut faire plus de jumpscare. Allez, on le détruit. Ouais, c'est bon, on en a eu un. On en a eu un. Putain, c'est tendu. J'ai bien fait de mettre la facecam, hein, finalement, parce que vous allez pas le regretter. Putain, j'ai hâte de voir ma réaction quand il y a eu le jumpscare. Mais je crois que j'ai genre reculé. Putain, en plus, il a plein de vie, quoi. Non. Yes, j'en ai eu un. Désolé, je parle pas beaucoup, là, je suis concentré. Yes. Oh putain, vous êtes sérieux, là, il y a déjà des mobs qui m'attendent derrière, putain. Ah oui, cupcake, alors. Cupcake, comment ça se craft? Normalement, c'est un sucre, un gâteau, un blé. Je mettrai aussi une image de comment ça se craft, mais c'est un truc comme ça, c'est hyper gourmand en ressources. Et ça a exactement le même effet qu'un cookie. Donc j'avoue que c'est un peu badant quand même. C'est Freddy Face Beer, putain. C'est un peu badant quand tu sais... Quand tu sais tout ce que ça te coûte. Putain. Ah, qui c'est qui me tape? Méchant, méchant, méchant. Putain, il y en a deux qui me tapent, Je veux pas de jumpscare. Non. Non, pas de jumpscare, pas de jumpscare. Regardez, je vais manger un cookie. Je vais fermer ça. Allez, je mange un cookie. Ça me donne une barre, c'est scandaleux. Alors ça coûte extrêmement cher. C'est un truc de ouf. J'adore ce mode. En vrai, j'adore ce mode. C'est flippant. Enfin, je joue jamais à des jeux d'horreur, etc. Mais là, waouh, c'est intense. C'est le cas de le tir. Bon, on est déjà un peu plus ready. On va le tuer avant qu'il saute par-dessus. Ouf. C'est bon, on l'a eu. Ok, maintenant. Microphone. Vous pouvez aussi le crafter, mais ça ne fait absolument rien. Ça ne fait absolument rien, je peux vous le dire. C'est pas que genre que j'ai mal testé, j'ai mal lu, ça ne fait rien. Freddy, ah oui, c'est toi Freddy, putain. Tu vas te calmer tout de suite. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça se craft, mais ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Et c'est marrant. Ah oui, c'est ça, oui. Putain, la vache, regardez-moi cette tête de psychopathe. La tête de psychopathe, quoi. 50 points de vie. Et ça spawn aléatoirement dans le monde comme ça, YOLO, hein. Et en plus, vous les entendez pas. Vous les entendez, par contre, quand ils meurent, hein. Waouh. Attendez, vous avez pas vu. Parce qu'il y a un boss, hein. Il y a un boss dans ce mode. Il y a pas que ça, il y a aussi un boss. Pas chiant. Voilà, super. Je suis désolé pour ceux qui sont très sensibles à la peur, ou je sais pas quoi. Je m'y attendais vraiment pas, le coup du jumpscare, là. Je m'y attendais vraiment pas. J'avais pas vu que ça faisait ça. Putain, ça va, t'es pas trop OP, toi? Putain, il est trop OP, ce mec. Hop, pourquoi est-ce qu'il a mis 3 spawners? Enfin, c'est vrai qu'il disait lui-même dans son mode, dans la présentation de mode, qu'il avait fait le pas. C'est vous qui faites ce bruit? Que lui-même, il s'y attendait pas que ça soit aussi puissant. Ah, le bruit, c'est horrible. Oh là là, hey, mais vous êtes malade. Non, c'est bon. Vous êtes malade dans vos têtes. Allez vous pendre. 4. Eh hey, mais t'es ouf toi. T'es malade dans ta tête. Non, on va pas casser celui-là. Ah oh, mais le bruit d'aspirateur quoi. C'est quoi ce boss aspirateur là? T'es sérieux là? Alors on va. Voilà, on saute. Oh la vache, quand il vous court là comme ça, qu'il vous fonce dessus sur la gueule. Putain, c'est trop flippant. Pourquoi il y a toujours ce bruit? C'est horrible. C'est horrible. Follow the glowstone, oh putain. Oh là là là, qu'est-ce qui nous attend? Sharpness 10. You mad bro? Je le sens pas du tout. Là, ça doit être le boss. Je pense que ça doit être le boss, le Golden Freddy's. J'ai pas envie. Honnêtement, j'ai pas envie. J'ai pas encore toute ma vie en plus.
le sens pas du tout. Ok, il est en bas. Ok, c'est là le spawner. On va le faire quand même spawner. Parce que voilà, hein, on est là pour ça, on est là pour voir ce que ça fait. Pour voir Jean GB souffrir et avoir super peur. Hein. Oh. Ah oui, ça c'est pour tester le truc final, voilà, le Freddy's Head. Ok, donc on va attendre que le boss spawn. Il a 400 points de vie, lui. Hein. Lui, il a 400 points de vie, on va bien douiller. Mais bon, ça va, on a une armure en diams, plus le truc Sharpness 10 et compagnie. Donc ça devrait être pas mal. C'est lui, là, c'est lui le boss. Non, je sais, ça c'est une vache. Où est-ce qu'il est? Peut-être qu'il est sous l'arbre. Hein. Peut-être qu'il a déjà spawné. Qu'il est quelque part. Non, c'est la vache, putain. Pas plus fou comme ça, toi. Petit boss. Oh non, on ne perd pas de cœur de manière débile. Bah. Bon, bah vas-y, spawn. Je t'attends. Bon, bah écoutez, on va le faire spawner puisque c'est comme ça. Golden Freddy's. Golden. Ah bah voilà, c'est celui-là. Golden Freddy. Attention, vous êtes prêts. 3, 2, 1. Oh non, en plus, il y a le noir, mais je savais pas ça, vous m'avez rien dit. It's me. Oh mon dieu, mais c'est tellement flippant. Je lui fais aucun dégât. Il m'a foutu manie fatigue ou quoi là? 3000 PV! Oh mais c'est une mise à jour! Il en avait 400 dans la présentation de mode et il faisait pas les effets qu'on vient de voir là. Je vais le pousser dans l'eau. Putain, vous avez vu comment il saute haut? Oh, il saute super haut! Il est. Ah! Oh, mais t'es sérieux là? Oh, heureusement, il nous atteint pas! Il nous atteint pas! Mais. Oh putain! Ah putain, rien à voir avec les. Putain, avec les mini-boss de Tarlouse du mode Mythical Creature. Hein. Parce qu'autant Mythical Creature je les avais faciles, autant là je le sens pas du tout. C'est pas un seul crochet qui va me suffire. Putain, oh la vache. Oh le triple. Oh la vache, c'est ultra dur d'être concentré parce que là, dès qu'il vous touche, vous avez plus d'effet, putain. Non, nope, 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 nope. Dans l'eau, voilà, dans l'eau j'ai l'impression que. Putain. Oh comment je suis. Concentré. Ah, je lui fais 5-6 de dégâts à chaque fois que je le touche, c'est scandaleux. Ah, c'est bien, là je crois qu'on a un bon équilibre. On va peut-être pas mourir. Ouais, là c'est pas mal, là c'est pas mal. Je crois qu'on a la bonne, là, on a la bonne. S'il ne saute pas, genre si pas, il fait pas. Oh, putain. On a plus que 2 barres de vie, de 3. Le pire c'est qu'il nous a mis Hunger ou un truc comme ça, je sais pas. Putain. Oh. Putain, mais c'est qu'il esquive en plus. Ah non putain, on va mourir, c'est pas possible. Tu te fous de ma gueule, putain. Eh mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Oh putain. Non, j'ai pas envie de mourir. Ah mon dieu, mais vous entendez ce bruit là de pas? C'est tellement flippant. Oh mais t'es sérieux là? Non. Me touche pas. Oh putain. Ah bah super. Ah bah super, Minecraft a craché. Ok, Minecraft a craché. Bon, je le relance tout de suite. Ok, je relance le jeu. Ça spawn. Bon bref, on n'a pas que ça à faire. En gros, il raconte que voilà. Ouais. En gros, il parle du fait voilà, t'es le nouveau, bravo, bienvenue, t'as été choisi pour ça. Je tenais quand même à te parler du fait que machin, voilà, parfois il y a eu des problèmes avec des gens. Maintenant, on va tester. Tu as déjà fermé ta putain de grande gueule. Merci, désolé pour les gros mots. Maintenant, voilà. Vous avez Freddy's Mask. Ça, c'est ce qu'il drop quand il meurt. Vous pouvez le mettre sur la tête. Tac. Et c'est quand même bien stylé. The fuck? Ah! Bah, pareil, la mise à jour a enlevé le fait qu'on pouvait le mettre. Et normalement, Toy Chica. Alors, on va passer en game mode 1.
Voilà, vous voyez, il ne m'attaque pas. Pareil. Alors ensuite, Teddy, il ne m'attaque pas non plus. Parfait. Mangold, je crois qu'il y en a un qui m'attaque quand même. Ah, c'est Foxy. Voilà, Foxy, lui, il en a rien à battre de vous. Il vous attaque de toute façon. Voilà, c'est Foxy. Donc ça, ce masque, il est quand même très pratique. Voilà, j'ai eu peur parce que lui, heureusement, il vous protège. Voilà, il vous protège de tous les mobs. Mais il faut quand même battre le golden avant, quoi. Il parle toujours, le mec, ou pas? Ça, il a enfin fini de parler. Parfait. Bon, bah écoutez les amis, c'est quand même un assez gros mode là que je vous ai présenté, un mode bien flippant là, j'aurais peut-être dû l'utiliser en même temps pour Halloween. Donc voilà, le principal c'est que ça vous ait plu, j'espère que c'est le cas, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, high five! Alors ce boss est extrêmement dur à battre. Pourquoi? Quand je le tape, vous pouvez voir, ça ne lui fait absolument rien. Et en fait, la seule manière de lui enlever des dégâts, c'est de faire exploser les creepers qui sont autour de lui et qui s'approchent de nous.